Donc ici, on va lire dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 5 à 6, dans la vraie version. Parce que les versions trafiquées dans les Bibles actuelles, il est dit, je suis noire, je suis belle fille de Jérusalem. Et plutôt, on vous dit, non, ne prenez pas garde à la couleur de ma peau. C'est le soleil qui m'a visité. C'est le soleil qui m'a bronzé. C'est le soleil qui m'a noirci. Vous voyez? Donc, on ne veut pas la dire que elle est noire. Non, que en gros, qu'elle est sale. Et Dieu ne prenait pas garde à ma peau parce que le soleil m'a visité, le soleil m'a admiré et ainsi de suite. Et que ses frères se sont irrités contre elle. Mais vous voyez que ça ne tient même pas à ce récit-là. Parce qu'on parle l'histoire d'une femme qu'elle a noircie parce que le soleil l'a bronzée. Et que ses frères se sont irrités à cause d'elle par rapport à sa couleur. Mais ses frères, ils vivaient où? Ils ne vivaient pas dans le même pays. Ils ne subissaient pas le même soleil. Vous voyez que quand ils viennent écrire des hérésies, ça ne tient pas. Mais la vraie histoire, dans la vraie version, dit ceci. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 5 à 6. Je suis noire et je suis belle, virgule, charmante et agréable à voir. Parce que je suis issue de la race originelle, virgule, moi, fille de Longanapi, comme les pavillons de Monmon. Verset 6. C'est pourquoi les femmes blanches et sans mêlée se sont irritées contre moi parce qu'elles sont envieuses et jalouses de ma beauté naturelle. Point. Voilà la vraie version qu'on vous a cachée. Depuis que je suis en train de lire, voilà ce qu'on vous a caché. Et au Vatican, ils le savent.